Salut les filles! Aujourd'hui, je vous propose quelques coiffures tendances pour tous les jours. Ces coiffures fonctionnent le mieux sur les cheveux bouclés ou ondulés. Et comme je n'aime pas passer mon temps avec un fer à boucler, j'utilise normalement mes bigoudis en mousse. Ils bouclent mes cheveux pendant la nuit sans les abîmer. Dans cette vidéo, vous pouvez voir mes boucles du deuxième jour. On va commencer par créer une jolie tresse française. Séparez trois petites mèches de cheveux et commencez à passer les brins extérieurs au-dessus du brin du milieu. Pour plaquer cette tresse à la tête, il vous suffit d'ajouter des cheveux lâchés dans les brins du milieu. Passez la mèche supérieure au-dessus de la mèche du milieu. Ajoutez des cheveux lâchés à la nouvelle mèche du milieu. Passez la mèche inférieure au-dessus de la mèche du milieu. Ajoutez des cheveux lâchés à la nouvelle mèche du milieu. Et ainsi de suite. On arrête la tresse derrière l'oreille. Si vous voulez, vous pouvez desserrer votre tresse un petit peu pour un effet plus tendance. Fixez les pointes avec un élastique. Je vais aussi épingler la tresse pour la rehausser. Pour la deuxième coiffure, créez une tresse symétrique de l'autre côté. Et pour la coiffure suivante, créez une tresse simple à trois brins. Tirez sur les côtés de la tresse pour l'élargir, puis fixez les pointes avec un élastique. Ensuite, ramenez cette tresse vers l'arrière et fixez-la avec des épingles. Si vos cheveux sont beaucoup plus longs, vous pouvez attacher les deux tresses ensemble avec un élastique. La coiffure suivante, c'est une simple queue de cheval sur le côté. On peut la transformer en un chignon danseuse. Je torsade mes cheveux sur eux-mêmes et je tire sur les côtés pour créer du volume. Puis, j'enroule cette torsade dans un chignon et je fixe les tout avec des épingles. La dernière coiffure, c'est une queue de cheval renversée. Attachez vos cheveux au-dessus de l'élastique.
hope I don't burn my own desires, but grace I found is calling out my name. Diffusez les cheveux de manière égale et laquez bien pour fixer. Dites-moi quelle coiffure vous préférez et montrez-moi vos résultats sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Mes nouvelles tutos sortent tous les mercredis et tous les samedis.